Et l'actualité de ce 4 août au Burkina Faso, c'est également le lancement des activités du Front Patriotique, un front qui connaît l'adhésion des 33 organisations de la société civile, partis et formations politiques. Pour ses initiateurs, il s'agit d'un mouvement de lutte en vue d'une refondation profonde de l'État pour un Burkina Faso de paix et de cohésion nationale. Présentation détaillée avec Paul David Bambara et Sekou Ousango. C'est par acclamation nourrie que 33 organisations de la société civile, organisations et mouvements politiques répondent présents à ce qu'ils qualifient d'appel de la patrie. Ils clament ainsi leur appartenance au Front patriotique, un front de lutte selon ses initiateurs et guidé par des valeurs de liberté, de justice, d'intégrité, de patriotisme, de sacrifice, de rédemption, de solidarité et surtout de tolérance. Aussitôt présenté, le Front patriotique décline sa vision de lutte en 9 points, dont l'œuvre pour une transition politique légitime et souveraine, la défense du pilier de la justice, la mobilisation du peuple burkinabé pour la mise en œuvre diligente des recommandations du Collège des Sages, l'écriture pour le peuple, en somme, une refondation de l'État pour les générations futures. Le Front patriotique annonce un diagnostic sans complaisance de la situation nationale afin de proposer un traitement à la hauteur du mal. Le Front patriotique se construit sur un socle de valeurs, sur une vision nourrie de grands rêves, des rêves que nous sommes un seul et même peuple, un peuple qui se forme sur un même destin, qui marche en communion pour écrire des pages glorieuses de notre histoire nationale. Et pour y arriver, le Front patriotique entend mobiliser l'ensemble des forces sociales, politiques et citoyennes, ainsi que les leaders d'opinion. L'adhésion au Front patriotique se fonde sur l'acceptation de la charte et la signature du postulat. Le Balai citoyen, la Génération Thomas Sankara, le MPP, l'UNIR MPS, le MPRESCA, le Forum d'Itanier, le Mouvement Brassard Noir, la coordination des OSC de Bobo Dioulasso, sont entre autres signataires de la charte du Front patriotique.